Vous avez préparé un petit mix, vous allez m'en dire des nouvelles. Salut à tous, bienvenue dans French VIP Club. Comme chaque émission, évidemment, un artiste électro présenté par son éditeur. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Anorak. Pour mieux découvrir Anorak, j'accueille donc Olivier Linglet. Hello Olivier. Hello Christophe. Olivier Linglet, le boss de Grand Blanc. Eh bien, ma première question, c'est tout simple. Tu vas essayer de nous dire un petit peu ce qu'il y a sous la fermeture éclair de l'Anorak et qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser avec lui. Anorak, ça fait 12 ans qu'on bosse ensemble. À l'époque, je l'avais repéré sur MySpace. Et ce qui m'avait séduit, c'est que c'était... MySpace. C'était hyper défini comme projet. On voyait qu'il savait exactement où il allait en termes de son, d'image. Donc voilà, c'est principalement ça qui m'avait attiré au début. Vous avez décidé. Les belles choses que vous avez déjà faites ensemble, les projets que vous avez déjà menés. Un développement export, pas que franco-français, ce qui permet aujourd'hui au projet d'être pérenne. Où est-ce qu'il y a... Beaucoup aux US. Ouais, ok. Et dans les grandes fiertés, il y a eu notamment un mois de tournée aux US en 2011-12. D'accord. Qui était hyper chouette. Et avec aussi des petites touches d'ailleurs sur les séries américaines notamment. Parce que quelques synchros, ouais. NCIS, Nashville, quelques autres j'en oublie. Mais ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Anorak, il y en a peut-être encore trois mots si tu devais définir un petit peu l'univers de Frédéric qui est l'homme derrière. Cool, évidemment. Ouais. La définition du cool. Déterminé et loyal. Bien, on découvre tout de suite Anorak, c'est le live dans un instant dans French VIP Club, juste après cette petite présentation. A tout de suite. Anorak, le nom claque à nos oreilles depuis maintenant une bonne dizaine d'années. En 3 albums et une ribambelle de EP, l'ancien batteur de Pony Pony Run Run a développé un univers riche de mélodies synthétiques et d'électroniques discoïdes, à la fois élégantes et racées. Sa musique, souvent cinématographique, a inspiré quelques réalisateurs de séries, mais elle donne aussi envie de danser, à un cocktail à la main comme aux plus belles heures du Studio 54 à New York. Après avoir joué aux États-Unis, au Mexique ou au Japon, le multi-instrumentiste touche à tout travaille aujourd'hui depuis sa base arrière à Marseille. Place à Anorak, grand maître de la house disco-funk qui nous veut du bien. Dans les nuées.
peux m'empêcher de vivre comme je l'ai décidé. Va pas trop vite, laisse-toi guider. La vie est faite pour s'amuser.
soir, dans la prime nuit, j'avais envie de danser. Danser sans ennui, sans regard pesant, danser comme une enfant. Et ça me fait du bien. Je vous jure que ça me fait du bien. J'oublie mes chagrins. Je profite de la chaleur. Une impression de déjà vu. Adossée dans un complet blanc et des boots argentés. Un pas devant l'autre. Vous dansez. J'avais envie de danser. Danser sans ennui. Sans regard pesant. Danser comme une enfant. Et ça me fait du bien. Je vous jure que ça me fait du bien. J'oublie mes chagrins. Je me laisse porter par la chaleur. Yeah.
Et oui, il est temps de retrouver l'interview French VIP Club et on attend évidemment de pied ferme Anorak pour tout savoir plus en détail de son univers. Anorak, es-tu là ? Salut Christophe, salut French VIP Club. On a connu tes aventures dans le monde de la pop avec Pony Pony Run Run. Comment s'est faite la bascule, il y a une quinzaine d'années, vers l'électro avec Anorak ? J'ai pas vraiment l'impression de m'être éloigné de la pop parce que ce que je fais c'est très disco. La disco et la pop pour moi c'est un peu pas la même chose, mais en tous les cas c'est hyper connexe, hyper proche. C'est juste une forme de pop musique, la disco. Quels sont les artistes qui ont pu être moteurs dans ton parcours et qui restent peut-être d'ailleurs une source d'inspiration ? C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que le premier truc qui me vient en tête, c'est Chic. Parce qu'en tous les cas, pour me rapprocher d'un truc disco et très pop, puisque tout le monde connaît. Voilà, je dirais Chic, surtout. Comment est-ce que tu vois l'évolution du son d'Anorak ? J'ai beaucoup utilisé les synthés pendant pas mal d'années. J'avais envie de revenir à quelque chose de peut-être plus organique, quelque part. Même si le synthétiseur peut être assez organique aussi. Étant donné que je suis instrumentiste à la base, moi j'ai été guitariste, batteur, bassiste, chanteur. Et d'aller mélanger des sons de synthé avec des sons de, je sais pas, de clavinette par exemple, ou avec des sons de mélanger une basse synthé avec une basse acoustique jouée, pour moi, c'est là tout l'intérêt, en fait. Attention, c'est la Minute Geek, ton synthé préféré ? C'est une dure question, parce qu'il y a les machines que j'ai. Donc, dans celles que j'ai, il y en a que je kiffe particulièrement. Et si je devais en choisir une, c'est le Kawai 100F, qui est un espèce de vieux clavier monophonique des années 70 que j'avais acheté il y a quelques années un peu par hasard, parce que je savais pas quoi m'attendre, surtout qu'il était pas cher et que j'avais pas beaucoup d'argent à y mettre. Et c'est resté un synthé que j'utilise énormément. Et après, dans les trucs que je n'ai pas, parce que je l'aurais certainement jamais, parce que même si j'avais l'argent pour l'acheter, ce serait introuvable. Une vieille version d'un ARP 2600, un de mes synthés, on va dire, fantasme, mais que j'aurais certainement jamais. Faire danser les gens, tu aimes ça ? Quel est le titre que tu nous conseilles pour le dance floor ? Sans vouloir faire de patriotisme, je vais quand même choisir Daft Punk, parce que ça marchera toujours, en fait. Et après, lequel ? Je sais pas, tu mets Daft Punk, ça marche. Tout de suite, en fait. Cette dose de disco, cette dose de house et cette dose justement de petite spécificité française qui revient à ce truc de French VIP d'ailleurs, quelque part. Mais je trouve qu'il y a un peu tout dedans. Et hier, j'aurais écouté un morceau de Guy-Man justement à l'époque de Cri d'amour, juste avant que Daft Punk commence à vraiment exploser. Et c'est pareil en fait, c'est juste imparable. Merci Frédéric, à bientôt. Merci French VIP sur Clubbing TV et j'espère à très bientôt. C'était Anorak, salut. Going deep.